Est-ce que vous connaissez que l'orgueil est responsable 99% de tout péché n'a fait? Si vous prenez un petit temps pour réfléchir, ou après ça va tout bien. Par exemple, la colère, la honte, les tromperies, la haine, les moqueries, etc. Zamim, si vous voulez entrer dans le plan bon Dieu, eh bien, mais qui ça, Jésus conseille? Il dit dans Matthieu 18, verset 3, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Qui ça, verset ça, vous le dit exactement? Bon, m'expliquer. Premier bagage là, vous devez reconnaître que son pécheur. Ça va faire mal que vous acceptez que vous péchez. Mais tu vas devoir mettre ton ego de côté. Et puis pour repentir de bagailles qui sont capables de faire honte. Ou bien de bagailles. Et comme si malgré fait, on dit ah, ça n'est pas grave. Ça, un petit bagaille simple, c'est pas grave. Deuxième bagaille là, vous devez reconnaître que vous avez besoin de bon Dieu. Ah oui. Parce qu'on est tout petit monde besoin de papa. Combien de nous là qui c'est une pauvre créature qui va avoir besoin d'une puissance dans mes bons Dieu? Un bon Dieu qui grand, un bon Dieu qui a fait toute bagaille. Combien de nous là qui va avoir besoin d'une puissance comme ça? Eh bien, vini. Il a déjà ouvert deux bras à attendre. Qui ça va attendre pour venir joindre lui? Dans un petit temps tout court, si vous voulez, vous êtes capable de venir, petit bon Dieu. Prenez quelques secondes pour comment bon Dieu est. Comment que les vivants dans la vie. Comment que l'établi que nous sommes avec lui dans le paradis. Nous pratiquement arrivons dans la fin d'année là. Si vous regardez la vidéo, ça, 30 décembre 2022. Si vous avez une seule décision que vous avez prise avant l'année à finir, ce serait de donner ta vie à Dieu, lui confier vraiment. Oui, c'est à bail bon Dieu la vie et puis faire confiance pour capable gagner la vie pour bien finir. Il dit dans Romains 10 verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.